pour compter. Ici, à passer, là, tu viens d'arriver. Oui, bon, ouais, c'est ça. Je viens d'arriver quand même aujourd'hui parce qu'on nous a dit qu'il y avait la réunion ou quoi, quoi, quoi. Ouais, nous sommes là, c'est puisque on n'a pas de logement. Normalement, moi, je suis demandeur d'asile. Selon la loi, je devais avoir un CADA après ma demande d'asile, mais je ne l'ai jamais eu. On ne m'a jamais donné un logement décent. J'étais au 115. Les 115, c'est pas tout le temps qu'on nous donne une place. Deux ou trois fois sur 10, vous appelez, vous avez une place et après, vous n'en avez pas. Et là, on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on est là avec l'État. Depuis 15 mois. Je suis en France. J'arrive en France le 1er février 2011. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de nouvelles d'Ofra. Et j'attends. Je viens d'Afghanistan. Donc, depuis 15 mois, j'attends et je n'ai pas de nouvelles. Le bâtiment était vide depuis septembre, chauffé. Tout était en place, électricité, eau. Il avait été question de mettre éventuellement, de faire un centre de demandeurs d'asile, un CADA, mais les projets n'étaient pas très avancés. Par contre, nous, depuis X années, on a un nombre considérable de migrants, donc on a décidé de réquisitionner ces appartements pour des gens qui ont passé quasiment tout l'hiver à la rue. Ici, il y a à peu près 200 personnes, dont 60 enfants en bas âge. On a aussi des personnes âgées en fauteuil roulant et des enfants aussi. On a à peu près 15 nationalités différentes. Et donc nous, on demande l'application de la loi concernant les demandeurs d'asile, à savoir qu'ils doivent être hébergés le temps qu'on traite leur dossier. Et c'est sûrement la plus grosse réquisition qu'il y a en France actuellement en fonctionnement.